Bonjour à tous. J'en ai une pas pire en ce moment. J'ai un client qui m'a apporté hier sa Xbox Series S. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le port HDMI est brisé en arrière. Je sais pas si on peut le voir si. Un petit peu proche. Là. Ben, vous montrer qu'est-ce qu'il a l'air le port. Regardez comment est-ce qu'il est brisé. Fait que. Le client l'a apporté, il s'est informé à plusieurs endroits pour le faire réparer. Il ne me connaissait pas encore. Il l'a apporté à plusieurs endroits pour le faire réparer. Personne ne voulait le faire. Trop dur. Il l'a même apporté à un endroit où ils lui ont facturé 60$ avant de la regarder. Mais ils l'ont gardé 3 semaines, puis ils n'ont rien fait dessus. Ils n'ont pas remboursé 60$. Moi, je m'aurais peut-être battu un peu, là. Pourtant, la série S, c'est la Xbox la plus facile à travailler. Je comprends vraiment pas celle-là, là. Je sais que ça prend quand même une certaine dextérité pour remplacer le port HDMI. Ça prend les bons équipements. Mais... Je vais y faire. Je vais y faire. On va commencer par la démonter. Je vais même vous montrer comment ça se démonte au complet. T9. Ça me prend T9. C'est ça. Mais en même temps, je vais aller vérifier parce que j'étais un petit peu nerveux quand il me l'a apporté. Parce qu'il y a du monde qui ont dit qu'ils ont essayé et c'était trop dur. Ouf! On va aller voir en dedans qu'est-ce qui se passe. J'espère qu'ils l'ont pas détruit en dedans. Là, je démonte toutes les vis vertes. Les vis vertes, c'est qu'est-ce qu'il retient au boîtier en plastique. Je vais spécifier. Ah. Il y en a une qui est mangée. Ça va pas bien. Ils se sont peut-être arrêtés là parce qu'il y en a un qui a mangé à vis. Un Dremel. C'est un outil miracle, ça. J'ai joué avec hier. Là. Peut-être la graisse un peu dessus, je vais le nettoyer un peu. Je sens qu'il est collant. J'ai réparé un mélangeur KitchenAid hier, puis ça c'est rempli de graisse. Non. Ça là. Et voilà. Je l'ai transformé en vis à tête plate.
Avec mon Dremel, regardez ce que j'ai fait. Okay. Là, avec un tournevis tête plate, j'ai été capable de l'enlever. Faut apprendre à se débrouiller. Fait que c'est T9, ça. Non. T9. À partir de là. Et voilà. On continue. On démange toutes les petites plaques électroniques qui se trouvent un peu partout. Ça, c'est fait. Maintenant, toutes ces vis-là. Ça, c'est fait. Fait qu'à partir de là, on devrait être capable d'enlever ça. Et oui. Quand je vous dis que c'est la plus simple à démonter. Ça, c'est fait. On a le ventilateur, on va pouvoir le nettoyer bien comme il faut. Il, malgré qu'il n'est pas très, très sale. Et voilà. On a toute l'alimentation. Il est juste rentré comme ça. Faut faire attention parce qu'il y a du heat, la pâte thermique, autrement dit, ici. Pas trop l'endommager. On sort ça de là. On devrait pouvoir bientôt démonter. Il va me rester des vis ici. Pour ça, les vis du processeur. Fait. J'ai une petite borure ici en métal. Enlever. Et voilà. Je pense qu'il n'y a personne qui l'a touché. Donc, il n'y a pas personne qui est allé voir. Ils ont essayé de le dévisser, mais ils n'ont pas été capables. J'ai-tu besoin d'enlever le heatsink? Je pense que oui. Fois j'enlève ça en plus. Ça va être plus facile à travailler. Oui. Port HDMI est là. Il n'y a personne qui a été joué avec. Il n'y a absolument personne qui a été là. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont chargé 60$ là, pour y manger une vis. On va enlever ça ici. Ça, c'est pas facile. Il faut faire attention quand on force pour l'enlever. Ça m'est même arrivé, moi, une fois. Je passais tout droit puis j'ai arraché quelques condensateurs. Je l'ai réparé. Ça m'est déjà arrivé. Il faut faire bien attention. C'est pas ça par la place. Oui. Et voilà. Vous voyez que c'est enlevé. Fait que là, je peux retirer ça. Il y a de la pâte un peu partout. Celle-là, je vais la changer. Je vais y en mettre du neuf. L'autre, je la laisse là. Alors, on va mettre ça là. Donc, on a le port HDMI devant nous autres. Puis ça, il faut vraiment avoir de la dextérité pour le faire. C'est pas évident si je change ça. Là. C'est parce que c'est soudé très, 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 très solide. Le board est très épais. C'est pas évident avec un petit fer à souder ordinaire. Donc, il faut vraiment aller mettre du low melt solder qu'on appelle. Je vais aller en mettre ici, tout le long. Puis après ça, je vais aller en mettre de l'autre côté. Sur qu'est-ce qui tient. Voyons. Bon. Sur qu'est-ce qui tient.
le port HDMI en place. Et voilà. Ces quatre-là. Puis ça ici, là, je peux-tu l'enlever? Puis le remettre après. C'est parce que je ne vais pas le chauffer. Tiens. Je vais le mettre là. Fait que là, j'ai accès à tout. HDMI est vraiment fini. Il est vraiment fini. Il est même ouvert. Tu sais. Il est en train d'ouvrir. Ça fait que le fil a tiré vraiment dessus. Donc, je vais commencer par l'autre bord. Pas HDMI est là. On se débrouille. Petit montage, là. Tout tient là. Ma troisième main est en dessous, puis j'ai ça qui le retient là. Tiens. Puis là, on voit clairement. Oups, téléphone. Bon. Là, je vais y aller en mettant mon low melt solder. On ne gêne pas pour en mettre. J'ai mis du flux en premier, après ça, je mets mon low melt solder par-dessus. Puis, je pogne partout, partout, partout. Et voilà. Ça, c'est fait. Là, on va les revirer de bord. Mets du flux. Bon, mais je pense qu'on va être popé comme ça. Là, on va se prendre ça ici. On va venir chauffer ça. J'aurais pu prendre un plus gros, une plus grosse buse par exemple. Je me suis peut-être mal parti là. Et voilà. Le port HDMI retiré. Qu'est-ce que ça a l'air au microscope? Tout est parfait. Rien de brisé. Il va rester juste à nettoyer ça. Bien comme il faut. Et voilà. Fait que... c'est fait. On met ça de côté. On vient mettre du... ça devrait être correct. Oups, c'est un client. Bon, on y va avec le nettoyage de ça. Puis il manque de tresse à dessouder. On va y aller avec ça. Tiens. Rien endommagé. Tout est beau. Tout est beau. Et voilà. Checker de l'autre côté pour être sûr que tout est beau de l'autre côté. Ce bord ici, tout est beau. Ce
Bon, ici, on va aller enlever celui que j'avais mis un petit peu de côté, là, qui avait accroché là, ici. Là. Mais tout est super beau. Ça n'apparaîtra plus. Ici, pour le reste, tout est beau. Oui. Donc, on va nettoyer ça. C'est propre, ça. Bon, ben, j'ai reçu le port USB. Ah, oh, là, je suis tanné de me battre avec ces sacs-là. Ils sont durs à ouvrir. Moi, j'ai des trop gros doigts. J'en ai commandé plusieurs, là. On va les mettre en stock. Bon. Exactement la bonne chose. Mettre ça en place. Ça rentre tout seul là. Regardez comment ça arrive. Flush. Microscope. Et voilà. Tout est parfait. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout de suite souder des pattes pour qu'ils restent en place. Prendre de la soudure. Un téléphone en même temps. C'est toujours ça, hein? SJC électronique, bonjour. Télévision, non, j'en fais plus. No way. Bon, j'ai soudé les quatre pattes. Oh, ouais. Soudé. Bon, on va replacer ça comme j'avais placé ça tantôt. Ma troisième main. Bien.
Et voilà. Là, on va vérifier s'ils sont assez solides. Oups, celle-là est un petit peu dessoudée. On va aller la solidifier. Et voilà. Tout dessoudé là, en place. On va nettoyer ça comme il faut. Je pense que ça va être bien solide comme ça. Hein? Check une dernière fois. Tout est parfait. On va augmenter l'éclairage. On va vérifier à fond. Tiens. Tout est numéro 1. Et voilà. On remonte ça en place pour essayer ça. Bon, moment de vérité. Ça fonctionne. Fait que j'ai un client qui va être bien content. On va le laisser aller là. Mais oui. Fait que tout est revenu. Mon client va être bien content. Puis dire qu'il n'y a personne qui voulait le faire. C'est tout. Merci.